Je lance la VOD. Bonjour la VOD. Suite de Resident Evil 4. Et je ne sais plus à quel chapitre on était, mais je vais voir tout de suite en lançant. Et voilà. Oui, chapitre 11. Tombé dans le piège de Ramon machin, on a croisé du coup Louis qui va nous donner une sorte de d'antidote pour l'infection virus qui est en Léon et Ashley. Je vais mettre un peu plus fort. Malheureusement, c'est pas gratuit. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt. T'es prêt à y aller? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hé, c'était ma lance. Ok, on se dépêche. Pourquoi tu m'aides? J'avoue. Que tu gagnes. Pas besoin d'être aussi méfiant. Bah non. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Pas de raison d'être méfiant dans cet univers chelou. Pourquoi il gigote sur place là? Alors, on a maintenant un gilet pare-balles, donc ça c'est cool. Je me rappelle plus, j'avais chopé aussi une nouvelle arme, mais pas beaucoup de balles. On a toujours un énorme problème de balles, comme d'habitude. Et j'espère qu'on va croiser un marchand bientôt. Genre ici. Regagner la surface, donc il faut qu'on récupère de nouveau Ashley, qui est dans un autre château. Et un petit peu comme souvent, quoi, on commence à connaître. Et avant, faudrait que je fasse le plein. Là où il y a quoi, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'ascenseur. Donc je pense que je sais comment je vais m'échauffer un peu. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Non, j'ai pas de moula. Ah, j'ai vraiment zéro moula. Attendez, je vais voir ce que je peux vendre. Couronne, mais je peux pas la sertir. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. J'ai des trucs comme ça, mais j'en voulais 30 pour avoir un ticket d'amélioration. J'en ai toujours pas 30. Eh, c'est la dèche, hein. Franchement, c'est la merde. J'achète tout et n'importe quoi. Ah, je peux vendre des... Ouais, mais ça coûte que dalle. Je vais rater un peu mon inventaire. Il est en bordel, déjà. Première constatation. J'en ai 9 comme ça. Les mines adhésives, mais j'ose pas, moi. Je sens que je vais les coller sur un mob qui va me courir dessus et paf, je vais me faire exploser et j'aurais mérité, et voilà. Donc voilà pourquoi j'ose pas utiliser les bandes adhésives, les mines adhésives et que bah, j'en ai plein. Parce que je sens la douille arriver. Je sens. I can feel the douille. Ah, j'ai encore un autre couteau. On va peut-être refaire des carreaux, non? J'ai 3 couteaux. Eh, c'est beaucoup, hein. Ouais, je vais me faire des carreaux. Ça, il y a un couteau qui saute. Mais c'est pas celui qui était déjà usé, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Alors même ça, je commençais plus en avoir alors que j'en avais... Mais tellement... Arbalète, du coup, ça c'est ma péteuse qui utilise ces munitions-là. On est sur le peupon avec ces munitions-là. Et on est sur ça avec ces munitions-là. C'est cette arme-là que j'utilise le plus. Du coup, si je dois faire une amélioration, ce sera ce flingue-là. Est-ce que ça vaudrait le coup que je vende déjà mon truc? Même si ça rapporte pas beaucoup pour améliorer déjà. Ou est-ce que j'attends encore d'avoir des diamants? Je sais pas. Les flingues font moins de dégâts que le coup de latte de Léon. Mais le coup de latte de Léon, il est contextuel. Je peux pas gérer quand est-ce qu'il le fait. J'ai trouvé ma 3060. Elle fait 12 gigas à 480 euros. Oh putain, tu vois. Le gars me la commande la semaine prochaine. Dans la semaine, yes. Ah, nice. Un peu cher pour une 360. Bah, je sais pas, ça dépend du marché, non? Moi, je me rends pas compte depuis que j'ai fait ma config quels sont les cours. Pour les cartes graphiques, mais 480, une 3060 à 480, ça me semble. Après, ça j'imagine que ça dépend laquelle. Hein, mais à l'époque où j'ai fait ma config, c'était bien. Mais ça date, j'avoue. Enfin, ça date. Oui, ça fait un petit moment maintenant. J'avoue. Pourquoi tu me suis?
Non mais je veux pas qu'ils me suivent là, je veux pas qu'ils me jugent. Mais il y a des nouvelles épreuves, on va s'échauffer bien sûr au centre de tir comme d'hab. Si j'aime bien. Non 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 non. Je voulais passer à droite. Zut. Non mais non, tu vas me juger, ça va me saouler. Mais ah. Mais c'est pas mon flingue ça. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix d'attendre. Mais je l'ai pas, j'ai déjà fait cette épreuve, je vais pas la refaire. Enfin si, je la refais du coup, puisque je peux pas l'arrêter. Ah oui, non, ça s'en est aussi. Non mais je veux recommencer. Lui, il fait sa chelette de base à m'attendre, là. Oh, j'ai raté. J'essaie d'avoir les deux. Bon, c'est pourri, mais de toute façon, on l'a déjà en S, ce truc, on s'en fout. Ok, on a trois nouveaux trucs à faire, trois nouveaux dos. Ça, avec le raid 9, très bien. Bon, le raid 9, il y a de la dispersion, évidemment. Mais c'est mon arme. Alors je connais. Comment ça fait que je tire sur le flingue? Sur le flingue, qu'est-ce que je dis? Tirer sur ce qu'il avait dans la main. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avoue, c'est bien. Ah, j'hésite. Faut que je fasse ça en fait là. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, oh non ah, merde. Merci mon Gluminar, c'est gentil. Ah bah non, faut pas. Oh. Attendez, excusez-moi, je t'ai perturbé. J'étais pas mal en vrai, mais j'étais un peu perturbée, mais j'étais pas mal. On a oh. Ah 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 ah. Bien joué. Lui aussi il veut mon boule. Si tu veux te non, j'aime pas les mitraillettes. Ça va petit Moglobin Dark? Voilà. Lui, fallait pas que je tire sur son truc qu'il avait dans la main parce que ça aurait fait exploser le marin. On doit pas tuer. J'ai raté. J'ai que un A. C'est... J'en ai qu'un. Mais c'est terrible, c'est pas assez là. Mais là je l'ai eu dans la tête enfin. Ah non, je l'ai pas eu hein. J'ai raté. J'ai même pas de bonus. T'es obligé de faire ça? Non, c'est pas obligé de faire ce stand de tir. Tu peux faire ça comme tu veux, moi j'aime bien. Juste. Mais de l'aide? Comment ça de l'aide? Ah voilà. Non mais ce que je comprends pas c'est comment j'ai le bonus de temps. Oh, il faut que je fasse ça. Oh non je rate. J'aurais dû le faire tout de suite en fait. J'en ai que 3 sur 4, j'aime pas les 4. T'inquiète, Anté est là. Mince. Excusez-moi, j'étais au taquet là. Bonne chance, merci hein.
essayer d'être rapide. Oh non, j'ai raté. Mais ça va. Je rate. Oh, c'est pas si mal. C'est lequel qui me manque là? Ça va être chaud d'avoir Laurent S là, disons. On va peut-être pas le tenter, hein. Cette 1600 points, j'ai l'impression que je peux difficilement faire mieux en fait. Je sais pas ce qu'ils ont pensé. Ah, peut-être au tout début là, il y en a un qui a un truc comme ça et je le fais pas. Foiré là. Pas mal du tout. Attendez, que je fasse 6500 points ou 7600 points, j'ai toujours pas le rang S, mais ça dégoûte en fait. Faut que j'ai les 1000 points supplémentaires, mais je ne vois pas comment. Là, je vais voir au tout début. Vas-y à fond, même si c'est clair. Rate de fou là. J'ai pas eu. Mais merde! Mais merde! Mais j'y arrive plus, mais en même temps ça sert à rien parce qu'il faut que je trouve comment avoir les trucs bonus. Faut peut-être que je les tue tous un par un. Peut-être que j'ai plus de points en faisant ça, mais bon, ça va être très long quoi. J'ai même pas de temps bonus. J'arrête à 35 secondes. Avec 35 secondes d'avance, j'ai même pas de temps bonus. Oh bah tant pis, hein. Je dois reconnaître que nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. The Punisher. Deux. Connais pas. Un. Bah si, je l'ai jamais utilisé juste. T'es en forme. Ah oui d'accord, si je fais ça. Voilà, je peux faire ça comme ça. Mince. Oui d'accord, parce qu'il a beaucoup de perforations. Du coup il passe beaucoup à travers les machins. C'est aussi un A. Je vais réessayer, mais je vais pas les réessayer trop longtemps parce que bah voilà, là je commence à avoir des défis difficiles. Hein. Mince. Ah oui, alors faut que je fasse ça. Je sais pas où je vais. Et il me semblait qu'il fallait que j'aille gauche, non. J'arrive plus à jamais avoir le temps bonifié. Oui. Quoi? Bien joué. J'aurai tout tant que ça. Allez, la dernière. Après, je tente la dernière épreuve et après, on s'en va. Ouais, là, ça se trouve, il y en a.
Mais non, j'ai trop eu. Ah mince. J'ai pas eu... Faut que je fasse 8000 pareil, c'est ça. Encore le finisher, ma dernière. Ça marche pas. Allez. Ah dingue. Maman, 8000, j'ai pas de A. J'ai pas de S, je veux dire, j'ai plus jamais de rang S. Toujours tant plus là, mais après on arrête. Enfin, on continue le vrai jeu quoi. Tu sais que ça coûte cher le carton. En vrai, j'en sais rien du tout moi. Oh bah tapis. C'est pas grave, on aura des jetons classiques. On aura pas des jetons dorés, mais la dernière fois ils m'ont servi à rien, donc c'est pas grave. Je me suis pas ennuyé en te regardant. Je retourne taper mes caca sur Isaac, bonne pousse cake. vie restaurée par les vipères. Oh c'est pas dingue hein. Léon, voilà. Tu voulais voir Léon. Voilà, tu vois Léon. Ah c'est à chier. Franchement c'est à chier, je... Ça dégoûte de fou. Ah vas-y cours toi. Venger sur toi mec. J'ai de nouveaux articles à manger. Et on le con Ashley Dallas débile. Écoute, maintenant on a Louis, l'arnaqueur. J'ai mis la main sur quelques rats. Et j'ai pas de thunes en fait. Je peux rien faire parce que j'ai pas de thunes. Mais je pense que je vais retourner ici, mais là tout de suite j'ai pas de thunes. Je peux me crafter par contre au moins un type de balle entre tout ça. Mais c'est tout quoi. J'ai même pas de vie, je peux même pas reprendre de la vie. Est-ce que tu veux bien me réparer si j'ai les sous? Je peux réparer mon couteau et je vais pas ça. Bah je vais voilà. Rien de plus facile. Être méticuleux. Et voilà. Jusque dans les... Reviens quand tu veux surtout. Est-ce que je change ça avec le snipe? J'hésite. Je vais le garder pour le moment. Aujourd'hui j'ai passé la pire journée de ma vie. C'est le 5e anniversaire de ma fille. Et me voilà coincé sur un bateau miteux en direction d'un endroit pourri de l'arrière-pays. Paye n'était pas aussi bonne. N'était pas bonne, pardon. Je crois que personne n'acceptera de travailler au milieu de nulle part. 19 octobre, les types du château rappellent constamment de faire attention durant l'excavation. Mais des ouvriers se sont effondrés. Ah oui, après avoir inhalé de la poussière, oui, je croyais. Bref, hein. Se sont fait effondrer. Bref, hein, voilà, je sais pas ce que j'imaginais. Il se passe quelque chose dont ils ne peuvent pas nous parler. Il y a beaucoup trop de secrets ici. Je commence à tousser aussi. Je vais dormir.
26 octobre, ça ne va pas du tout. J'ai craché du sang 3 fois aujourd'hui et je me sens tellement faible que je peux à peine bouger. Merde, j'aurais jamais dû venir ici! Je l'ai fait pour l'argent, mais au final, c'est moi qui en paie le prix. Je suis vraiment un père indigne, pardonne-moi mon ange. Octobre. Matin, tête marche plus. Pourquoi? Cracher plein de sang, plein d'insectes rampes, j'entends une voix. Date. Encore une superbe journée de travail, creusée m'apporte tant de joie. Ma vie est pleine de bonheur, je vous offre tout. Vos désirs sont des ordres, Lord Tedler. Ah, la transi! Tout en finesse, hein. Louis, il est tellement moins con que les deux autres tailleurs. D'ailleurs, attends, Louis, pour le moment, on l'a pas beaucoup vu. Pour le moment, on l'a pas beaucoup vu. Je pense qu'ils peuvent tous nous surprendre dans le même sens. Alors, voyons voir la map. Ah ! J'arrivais pas à trouver la touche. Hein. Là, on aura des trésors. Et là, c'est la suite. Let's go. J'ai un peu de mal à faire confiance à quelqu'un qui a bossé pour Umbrella. Alors t'es au courant. Umbrella n'existe plus. T'as plus besoin de te préoccuper d'eux. T'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux juste être en paix avec moi-même. Faire amende honorable. Quelque chose comme ça. J'ai pas eu de mission bleue. J'ai pas eu de quête à faire. Ça m'étonne un peu. La vidéo TNT. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Rien du tout, ça dégoûte. Lui aussi, il est soufflé de fou, hein. Je vais mettre mon cube. Mettre une clé. Hey, c'est ni cube ni clé. Mais quand c'est bloqué ici? Avant, ça menait à la sortie. Mais faire un truc avec cet énorme caillou, ça va faire quelque chose? J'ai l'impression que c'est surtout bloqué par ce qu'il y a derrière le caillou. Ou alors il va exploser et tout va s'effondrer, c'est possible. Ok! Ah oui, mais c'est ça, faudra sûrement que je mette de la dynamite dedans. Ah bah voilà, la dynamite a été transférée vers la salle de stockage M4, avertissement. Avertissement relatif au dynamitage. Des éboulements sont fréquents, restez à bonne distance du point d'explosion. En cas de sinistre, déblayez rapidement la zone. Assurez-vous que le personnel est en nombre suffisant. Ok. Bah voilà, on va chercher la dynamite, hein. Toujours pas de balles, j'ai toujours pas de vie, j'ai toujours rien. On dirait qu'on a de la compagnie. On dirait que je vais en chier, ouais. Bon, on la voit. Mais je vois plein de trucs aussi. Il y a beaucoup de gens. Je sais pas si le snipe aurait pu être intéressant, parce que je pense qu'une fois l'event déclenché, de toute façon il vaut pas boucle et que je pourrais plus utiliser snipe, donc bon. On va juste descendre et mourir. Ah ! Oh, il est trop en train de cramer. Franchement, ouais, utilise tes balles, mec. Ça me fait bien plaisir d'avoir un mate qui tire, en fait. Tu me rends compte à quel point ça peut être cool. Non, je suis trop lent. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Ferme là que je veux. Ouais, il est déjà mort, hein. Regardez, il y a déjà du loot. Bon. Allez, on y va. Je peux aller là? J'entends une tronçonneuse. J'entends une tronçonneuse. J'entends totalement une tronçonneuse. Oh super, je trouve des pièces! Bravo! J'en
Attends, je veux l'exploser, alors je veux l'exploser, qu'est-ce que c'est ça? Attendez. J'ai vu que je pouvais l'exploser, je veux essayer. Ah mais je peux pas, faut que je me mette vraiment à côté. J'ai explosé ou pas? Pas du tout. Hop là! Oh non! Arriva eso! Ah super, ça va être sympa. C'est une bonne journée. Je me fais cul-de-saquer. Oui, je fais grave attention là, je suis à fond là. Mais du coup je me mêle toi. Dis donc. Quoi? Ah non, je croyais que c'était derrière moi. Bonne nuit loulou, des bisous. Désolé, je t'ai concentré. Direct, je pensais que je pouvais faire un petit coup mais pas du tout. Se rend surtout encore plus compte à quel point acheter était inutile, je sais. Non, c'est pas la voix de la SNCF, silence. C'était la voix de d'annonce de quelque chose. Bon, bah, j'avoue en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que non, je vais garder mes armes actuelles, je pense. On dirait qu'on a de la compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? On tue. Ça peut me sauver en cas de problème. J'espérais pouvoir courir avant aller sous le truc, faire un tour. Bref, hein, j'ai tenté. Ça n'a pas marché. Hello Yuni! Coucou! J'arrive au bon moment. Bon courage hein, quand tu seras là. Remarque, tu l'as peut-être déjà fini maintenant le jeu, parce que moi j'ai pas joué pendant plusieurs jours. Merci beaucoup de passer nous voir. Si vous connaissez pas Chaotic Yuni, je fais une petite dédicace. Mais je crois qu'il manque juste une lettre. Voilà. Que j'ai découvert sur Resident Evil 4 aussi, il y a pas longtemps. J'essaye de raid quand je termine mon live parce que souvent, il y a de moins en moins de streams francophones à ce moment-là. Mais Yuni est trop sympa. Alors n'hésitez pas à passer la voir. J'hésite à prendre le snipe. Est-ce que je prends le snipe ou pas? Mais j'ai l'impression que je vais regretter en fait, parce que là il y a du monde mais... Attendez. On va regarder. Là il y a lui que je pourrais avoir avec le snipe, il y a lui. C'est pas tant en fait. Parce que une fois descendu, je peux plus rien faire avec le snipe. J'ai essayé. J'ai une bombe. Je peux lancer des bebons, moi. Attendre qu'ils arrivent et j'explose ça. Tiens! Non, ta mère! Avec une tronçonneuse, c'est pas des bûcherons. Il est marrant, ce Louis.
sacré, lui. Il n'est pas mort du tout. Oh oui. Oh là là, t'es à deux. Comme un café. Ah. C'est quoi Pourquoi tout explose? Pourquoi toi t'es pas mort? Pourquoi toi t'es pas mort? Mais il est toujours pas mort, regardez ça. Ah, si, il est mort. Je me suis bien coincé là. Qu'est-ce qui se passe? D'où t'as spawn toi? Oh, c'est mon pare-balles, il a tout pris. Toi faut que tu arrêtes. Et toi tu as esquivé, c'est méchant. Lui faut le tuer! Fini chapitre 13 au dernier stream. C'est la galère. Putain, c'est déjà la galère là. Hein. Je te vois toi. Oui, mais j'essaye. Par un ou deux mecs en haut, on a 50 au cac. Mais oui. Mais je pensais que là, en fait, j'avoue, j'ai fait une erreur de... talent, de tout en fait, mais j'ai pensé que là tout d'un coup j'avais un peu calmé, qu'il y avait plus grand monde à tuer, et si, parce qu'ils ont repop, donc on dirait qu'on a de la compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? Concentré. Ouais, il aurait fallu que je sois concentré comme de la tomate en effet. Attends, voilà, ça c'est fait. Ça tremblote un peu là, regardez, je sais pas, la souris, regardez, c'est le viseur, il tremblote tout seul. Oh, je vois rien, je fais d'un wack et j'utilise des balles et... Ça c'est la bonne, j'y crois à mort. D'à côté, c'est normal, il meurt pas, mais la ferme! Courage-moi, bordel! Il dit, c'est pas grave, tu vas y arriver, c'est normal, c'est pas facile. Mais dis donc là. Et là j'ai visé le truc en plein vol, mais ça personne ne remarque. Ah! Merci, je suis au courant. Ah! Il est arrivé d'où celui-ci? Ah, des plantes. J'ai des plantes. Ah! Vite, faut que je me casse. Ah, mais il y a du monde ici. Oh, je recharge maintenant. Oh là, c'était trop le bon moment. Alors là. Oh, je me fais éclater dans tous les sens là. Allez, mais Léon, je t'en supplie, réagis, prends ton arme. Il veut pas prendre son arme. Non, mais il se dit balle, il se touche son corps. Allez. Ok. Toi, tu exploses. Toi, tu meurs, peut-être. Non, il va pas mourir. Mais putain, c'est vrai qu'il spawn derrière moi. Toujours la même là. D'accord, elle meurt pas du coup. Ok, je vais die. Je sais plus où sont mes armes. Deux. Ok. C'est le moment de se heal. C'est dans la tétrasos, mais là, mais bon, je pouvais pas fuir autrement.
Je loot un peu là. Petite pause loot. Encore un! Oui, il est bizarre celui-ci. Ah oui, mais c'est... Oh, tout ce que j'ai dépensé pour les buter ceux-là. Oh, j'ai plus de balles. Allez. J'ai fait à côté. J'en peux plus là, l'autre là. Ok, je vais essayer de m'occuper de celui qui arrête pas de nous viser. Je pense que Louis il va pas mourir. De toute façon... Ah, il est où? C'est qui vise? Où qui... J'y peux pas hein. Bon. Attends que ça se calme. Voilà. Oh, je vais te tranquiller. Dis donc. C'est fini, oui. Ça va partir, hein. C'est bon. Non, je pense qu'il en reste encore un. Niveau balle, c'est pas dingue. Je prends ça. Ok. Les mamies Shenzo. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est des mamies, ouais. Horrible. Elles ont tellement de résistance. Ah, fallait que j'active le pont. J'ai pas activé le pont, excuse-moi. Si tu montres comment tu te soignes, c'est une illustration. Ah, je peux pas? Oh, dis donc. Pourquoi je peux pas? Ah, faut que je fasse tout le tour. D'accord. D'accord. Ah, mais je peux aller là? Bah non, évidemment. Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre jamais, Léon. Ça s'ouvre jamais, Léon. Je sais très bien que les portes ne s'ouvrent pas. À partir du moment où... On s'ouvre pas juste. Oh, la musique m'oppresse. Hein. C'est qui est là? Moi je tue hein. C'est qui est en dessous? Attendez, je fais le tour, je fais le tour. On va activer cet énorme bouton rouge évidemment. Mais avant. J'ai entendu tss. Pas folle hein. Mais avant on ouvre ça. Mais oui, j'ai entendu! Mec, il se passe des trucs là-haut, hein! Toi, tu me dis rien! Oh non! Ah! Ah, derrière moi, tranquille! Mais oui, à côté là! Mais qui c'est? Mais ça va pas! Mais tu te tues! T'es crétin, hein! Toi, t'es crétin, hein! Attends, je recharge tranquille. Attends. C'est qui ça? C'est mon mate. That's my mate. Je me disais bien que j'avais entendu tsss. Et l'autre, il dit rien. Il me prévient pas, il me dit pas « Hé, Léon, derrière toi !» Non, rien. Il me suit juste, c'est tout. J'ai ouvert la porte, évidemment que ça serve. Non, mais attends. Celui avec la bombe, il était là, hein. Et il y en a plusieurs qui sont venus de là-haut, après en bas, oui, mais déjà il n'y avait personne à la base. Mais surtout, ceux de là-haut, bah en fait, j'y étais vraiment 10 secondes avant, quoi. Max, derrière toi, c'est affru. C'est le bip, parce qu'il faut... Non, je fais un bip de camion et ça n'a pas de sens, parce que c'est pas ça, mais... Mais j'imagine bien un engin qui bip. GG, merci à beaucoup, Union, merci. Ça va, mon domaine d'art, sinon? Ça va, Sam? Ça va, Uni?
Quoi? Tu t'arrêtes pas. Tu cours juste jusqu'à moi. Tiens, dans vous. Tiens, dans toi. Tiens, dans toi aussi. Dans toi et dans toi et dans moi et je vais décéder. Ah ! Défends-moi ! Merci beaucoup. Oh, je vois rien. Oh ! Je sais pas si j'arrive à viser là. Vraiment, je... dépense beaucoup de balles. Un petit soin. Allez, c'est ma tournée. On va se faire ça. Et puis bien que je vais sûrement le regretter, je vais quand même me faire des cartouches de fusil à pompe. Ah, je pourrais toujours me faire des munitions de pistolet, ça c'est incroyable. J'aime beaucoup cette idée. Mais pourquoi ça se met jamais là où je les mets de base? Regarde ça, hein. Après j'arrive pas à lire ce qui me reste. La visibilité, c'est important. Et l'articulation encore plus. Ça va là. Ça va là. Je voulais pas quitter, mais c'est pas grave. Ok. Non mais j'entends encore des bruits là qui ressemblent à des rototos là. Mais voilà, les balles de flingue classiques, j'ai pas souvent besoin d'en acheter. Parce que j'en trouve quand même pas mal. On va déjà looter ça. Hein. Moi je te loot toujours, hein, sablier. Il me faut de la thune, il me faut un max de moula. Ouais, allez par là, ok. J'ai raté. Oh, je m'en veux, je rate tout là. Non mais la résistance du type. Tout ça pour pas dépenser de sous, au final je dépense de la vie, c'est pas mieux parce que c'est tout aussi précieux. Enfin, plus même, mais bon. J'entends encore des bruitages. Qu'est-ce qu'on a? J'ai récupéré qu'une seule... C'est pas beaucoup. Comment ça se fait? On va se faire un soin encore. Mais pour tantôt. Oh mais il y a un carreau là-bas, je peux pas le récupérer parce qu'il est dans le décor. Non. Un carreau, ça c'est mon carreau d'arbalète là, regardez il est là. Louise, va chercher le carreau. Eh, s'il te plaît. Louise. J'ai besoin de toi. Va dans le décor. Cherchez mon carreau. Louise. J'ai essayé de le charmer, ça n'a pas marché. On se tire. Merci, Louis. De la dynamique, hein. Belle trouvaille, mon ami. Ouais. On va pouvoir. Tu restes sur le carreau. Fallait pas rater. Oh, la ferme. Oh là là. Cet encouragement négatif. Découragement, du coup. C'est le plus beau et le plus fort, merci. Effectivement, Chaotic Uni, il n'est plus. Est-ce qu'on irait pas rapidement au vendeur avant? Allez, on y va. De toute façon, j'y vais en fait. Oh, c'est loin. Non. Bah, c'est... j'y vais pas, d'accord. Pas de soucis, je ne vais pas au vendeur avant. Pas de soucis, je n'y vais pas. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui... Une affaire bien conclue. Bougerai pas encore. Comme neuf. Oh, mais tout ce que ça me coûte, c'est n'importe quoi. Je peux me permettre.
n'importe quoi. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Sans déconner. Et moi, j'aimerais bien que tu baisses tes prix. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un peu compliqué. Genre, le monde, il est dur, là. The world is hard. C'est tyran. Pas te faire tuer, hein. Sinon, je peux... La petite save, ouais, t'as raison. Je vais aussi... Non, mais je vendrai plus tard quand j'aurai vraiment les sous, mais je vendrai sûrement quelques rubis ou trucs comme ça, parce que j'en ai quand même pas mal. Mais là, tout de suite, bah, je pense qu'on va juste faire une petite save et se barrer tout, faire tout péter. Ça me semble être une bonne idée. Il y a sûrement des surprises, mais tout à fait! Toujours des surprises. C'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation. Même dans le jeu vidéo, tout coûte cher. Attention! Je m'attendais pas à ce que ce soit allumé tout de suite. Oh, dis donc. Oh mais voilà. T'es content, Louis? C'est de ta faute. Tu te défends plutôt bien. T'es sûr que t'es qu'un simple chercheur? Un chercheur. Je suis juste un mec normal. Un chercheur. Même si j'ai plutôt du succès avec les femmes. Ouais, on l'a vu avec Ashley, ouais. Elle t'a pas regardé avec le regard le plus dégoûté du monde par hasard? Moi je me rappelle de ça, moi. Moi je me rappelle bien. Elle t'a vu comme une crotte de nez un peu. Et les crottes de nez, c'est passé. Moi je trouve pas. Après toi, j'insiste. Un vrai gentleman. Non mais jamais. Oh jamais je passe avant. Hein. Mario et Luigi se sont fait pécho. Et Bowser, il a l'air vénère. Voilà, on est quitte. C'est toujours comme ça avec toi. Ah wow, wow. Ouais, il y en a deux, j'ai pas de balles. J'ai tellement pas de balles. Me fait tellement latter la gueule aussi. Je peux pas voir lui. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi looter. J'ai besoin d'argent pour me battre. Parce que je loot des pièces donc. Voilà. Attention, hop. Allez, cours. Hey, Léon, là t'es vraiment à fond. Là t'es vraiment en train de courir, Léon. Bon, t'as pas beaucoup de vie, d'accord. Faut que je fasse un truc. Attendez. Il y a une strat parce que je vais pas vider mes chargeurs sur leur tronche. Il y a une strat. Là, il y a un truc à faire. Oh, il se fait latter comme moi, l'autre. Ne meurs pas, Luigi. J'aurais besoin de toi pour être un super faire-valoir. De la lave en fusion. Ça va être rigolo, ça. Comment je fais pour les attirer ici, à part moi-même être un appât? Non, je vais manger mon poisson. Voilà. I eat my fish. Ah non. Non mais venez là. Coucou. Fais attention là. Ah, je suis à fond dans le faisage, attention là. Là je suis Je fais tellement attention. Tiens, attention, je vais ouvrir. C'est super. Je me dis que j'étais à fond. Va au milieu. J'ai encore perdu de la vie. Oh, lui il est grave au milieu, lui.
Et je vois ça, j'ai vu qu'il avait bougé, j'ai vu. Comment l'a tiré? J'essaie d'esquiver mais je n'ai pas de touche, j'essaie de faire contrôle, Regardez! Non mais c'est pas possible! Oui, tu veux bien arrêter d'être une serpillière? Comment que je puis faire ça? Je me concentre, c'est juste en deux mots quoi. Allez! Oh, c'était bien là! Oh, c'était bien! Allez! Non, mais regardez, il se bouge vite! C'est une blague? Ah, faut que je le tape pour qu'il soit stun! Ok, je pense qu'il faut que je lui fasse du stunnage. Ou alors que je m'en prenne plein la gueule et que je meurs. Tu engoumes la gueule! C'est marrant comme je... ouvert, fermé. Ce petit trou aussi, mais court bordel. Mais t'as vu, il est zéro pressé là, le gonze. Il court comme ça. Je veux dire, tous les zombies qu'on a croisés, qui sont pourtant objectivement des humanoïdes morts, courent plus vite. Ouais, faut que je le stun quelque part. Je sais pas comment. Je sais pas comment le stun, mais je vais essayer. J'ai déjà pris trop cher. Tiens, petite arbalète dans la gueule. Tiens. Je me suis dit au cas où ils vont peut-être glisser. Non mais rentre. Comment je peux le stun? Je réfléchis. Ah, j'avais un conseil, je n'ai pas eu le temps de le lire. Le machin, ça va pas passer avec ton canif. Oh là, ils sont tous les deux là, allez. Ah, ils se poussent tout de suite. Non, mais il faut vraiment que je fasse un truc. Ils se poussent tout de suite. Ah, les grenades, si j'en ai, je vais tenter les grenades collantes. Mais il faut que je le fasse au bon moment. Ça va être chaud. Je sais juste pas comment les équiper. Parce que attendez, j'ai ça. J'ai jamais fait. Je sais pas comment les équiper. Oh, il m'a pécho! Oh, qui c'est du coup? Là, je vois qu'il y a un œuf. Côté de ma barre, je ne sais absolument pas comment équiper ça. On va tenter des touches, parce que c'est le moment. Ça peut-être... Non, attends, hop. Des fumigènes peut-être. Ah ouais, des fumigènes, attendez. Ah, fumigène, c'était bien. J'arrive pas à mettre mes grenades sur... J'ai des grenades collantes. Et j'arrive pas à le mettre sur mon arbalète. Avec celui-là, ça va être...
Ouais, ça je suis d'accord. Ah, du coup, il me vise moi maintenant. Ça va être sympa, tiens. Il est là. J'en dis. Je suis en train de râler. Vas-y, dégueulasse. Oui, je dis ça à chaque fois que j'ai un truc monté sur un troll, mais en même temps. Ah, c'est pour lui faire. Lui enlever sa truc. Ah, j'ai tiré dessus. Va-t'en. Il est où Louis? Il est éparpillé un peu partout. Oui! Ok, j'ai un dit. Louis le bro. Attendez, on fait un tour pour tout looter. Hein. Moi, je tout loote toujours. Oh, merci! Hein. Merci beaucoup! Fusion! Ok. J'ai tout looté, hein. Je pense que oui. Attendez, avec l'arbalète là, j'ai un petit souci. Ça, comment je mets ma mine? Ah, c'est G. Ok. Il y avait écrit quand je faisais clic droit. Mais pour faire clic droit, il fallait que je m'arrête parce que ça me ralentit beaucoup. Et du coup, bah, je le faisais pas tout à l'heure parce que je courais en permanence en fait. Éparpillé comme Morales. C'est quoi la ref? Pas la ref, je crois. Bisous, Grisou, très bonne nuit. Dors bien. Alors, attends 2 secondes, il a pas fini. Voilà, c'est ouvert. Merci. Merci l'ami. Je vous, c'est le copain. Franchement, Louis, trop bien. Eh ben, on a chié. Quand je pense qu'ils ont des monstres comme ça, même ici. Ce sous-sol est sacré pour eux. C'est ici qu'ils ont découvert Las Plagas. Conservé dans des dépôts d'ambre très anciens. Ils avaient que ça à foutre. Pas de trésor, hein. Toi aussi t'es soufflé, petite ventoline, toi aussi, hein. Non, mais vous avez le même souffle pourri avec Ashley, hein. Le jeu, il avait prévu qu'on galérerait, hein. Regardez ce qu'il nous donne. Mais mon inventaire a plus de sens de toute façon. On verra, je vais attendre avant de me crafter un soin. Et ici du coup, est-ce qu'il y a un truc en surveillance? Non, j'ai pas l'impression, donc let's go. Tout est rechargé, je pense. Tu veux quand même pas qu'on monte là-dedans? Parce que t'as... Ah oui! Petite save avant, évidemment. Oh ça, j'aime trop les trucs en wagon. Un wagonnet. Attends. On dit bien tout pris là.
Bon, j'ai l'impression. Allez, pousse, Sancho. Qui est-ce que t'appelles, Sancho? Ça y est, on roule. Ah, je vais rester derrière comme ça? Ah non. J'arrive pas à croire que je fais ça. Eh, hey, on est pressé, non? Oh, au fait. Quoi encore? C'est un sketch de Didier Benuro. Ah d'accord, ok. Ok, c'est Voto. Voilà, je vous suis. Faut qu'on sorte de moi. C'est ça ou l'accident. De... Comment il savait? J'ai choisi de changer de voix, mais. Mais du mauvais côté. Et alors, où il joue un soldat qui rend un hommage au soldat Morales mort au combat et il chante un truc de sa composition qui fait Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Ok, 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 je connais pas. Mais je comprends la ref maintenant. Ah, fait que je tire. J'adore la, la manière dont ils se font éclater, ça me fait, rire. Oui, je vais faire attention. Ça sur Discord. Ça me fait rire à chaque fois. Ok, ok. L'arme la plus précise. Je galère. Ouais, ouais, je fais ce que je peux. Ah, attends, ce petit truc. Ah, bon, on est dans un sale état. Toujours plus. Ah merde! Il y avait ça, j'aurais pu... Ah zut. C'est rigolo ça. Allez, on l'est. Tu rigoles? Les choses ne font que commencer. Lox dans le chaos de la mort et elle est dead. Hahaha. Ok. Bizarre, hémoglobine d'art, bizarre. Serait la ref? Les bras en l'air? Ah, c'est une ref! Put your hand in the air, mets les mains dans les cheveux! J'entends un petit truc ici. Yeah.
Venez, t'es méchant. Ah! J'ai raté. Oh, j'ai tout raté. Tu vas arrêter? Vilain. Il est où le truc? Là. Oh, j'ai raté. Mec, 6. Oh, non! Vas-y, encore une. Voilà. Ça a coûté 3 balles de plus. Je demanderai à Rubik de faire un sample. Oh non. Laissons-nous tranquille, le Rubik. Il y a autre chose à foutre de ces journées, hein. Bon. J'ai pas bien vu en bas. Je vais être sûre d'avoir tout pris. Je peux marcher là? Ah non, je peux pas. Aussi, ils sont drôlement essoufflés, les personnages de ce jeu, quand même. Ils ont drôlement des soucis, quand même. Bon, j'avoue, ils sont tous infectés, mais je sais pas, les zombies, ils ont pas l'air essoufflés. En même temps, un zombie, ça doit pas beaucoup respirer, genre c'est mort. Mais ça parle, donc ça a du souffle. Passage comme ça. Un petit checkpoint. Okay. On y va. J'aime bien. Ouais, ma cam, tiens. Ah, c'est trop joli. J'espère qu'on va passer sous un aquarium. Mais non. T'en fais toujours plus. Attends. Let's go. Trop tôt. Dégoûté, trop tôt. Ah bon, c'est... Ah, hein, voilà. Zut. Ah, ils sont 1000. Oh, je recharge. Je suis foutu. Non, j'ai réussi. Je recharge. Là, c'est bon. Mais oui, c'est trop bien! Oh, il a mis un temps de ouf avant de commencer à tirer! J'ai vu que t'étais sur Unravel. J'espère qu'il t'a plu. Jamais osé le faire parce que je pense que j'aurais pas la patience en vrai de ces jeux-là. Attends. Hop là, je te tue. En fait, il fait rien, non? Peut-être pas obligé de je sais pas. Hop là. Trop mort. Oh ouais, connard, va. Bah. Ça, c'est de la réplique, ça. Oui. Mais non. Mince, allez vite. J'aime trop, je veux que tout le reste du jeu, ce soit ça. Tac, on la chope au passage, Ashley. On tend le bras, là.
On chope Ada aussi. On se fait une grosse ressoie dans le wagon. Oh. Près de niveau, je le conseille, mais sûrement pas à toi en effet. Ah, j'en doutais. Ouais, non, c'est pas mon type de jeu. Mais je serais curieuse de voir ta rediff si t'en fais une. T'es sérieux là ? Ah, on peut pas freiner. Hein. Bon, on va finir par s'arrêter quand même. Hein. Jusqu'à 3 la prochaine fois. Ok, Sancho. Oui, je suis d'accord. Oh la vache. Eh ben dis donc. Attendez un petit slash ou tout quand même. Tac 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 tac. Voilà. Mais bien sûr. Oh bah c'est... On est sur du jeu vidéo grand spectacle, hein. Honnêtement. On a vu tellement des trucs bien plus what the fuck dans un RE. Les Resident Evil, c'est très navet, voire nanar dans le style. Je dirais plus nanar parce que je pense que c'est pas volontaire. Mais c'est du grand spectacle complètement décérébré parfois. Mais bah j'ai kiffé cette scène de gameplay, c'était très cool. Moi j'aime bien. Ah ! Oulala ! Il manquait plus que ça. Ouais, mais attends, je vérifie parce que je veux être sûr d'avoir loot. Allez bien. Journée de merde. Journée de merde. Ah, c'était que un long jour, ça. Effectivement, hein, va être fatigué, hein. Bah, je repose un peu, hein. Full plateforme plus mécanique énigme. Non, tu vas pas avoir la patience. Mécanique énigme, si. Mais je n'aime pas les jeux de plateforme. Je pense que c'est l'un des rares types de jeux où je prends pas de plaisir. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Il me fallait un peu du temps pour me rendre compte de ça. Mais non. J'avais oublié qu'il se transformait. Ah, bon, il fait gaffe, mais en fait, j'ai pas le temps de partir. Méchant, toi. Flamme. Il y en a d'autres, évidemment qu'il y en a d'autres. C'est sûr, il y a un moustique des enfoirés. Pourquoi est-ce qu'on est vraiment sur du moustique? Parce que il n'y a pas d'art. Au niveau du nombre de pattes. Hein? Attends. On est sur du 4 pattes de chaque côté, j'ai l'impression, hein. Oh mais toutes les balles qu'il faut. 1, 2... J'ai pas le temps. Oh, tu t'en occupes, Louis, c'est un flemme. Hein. Fatigant. Trop de camarades ont perdu la vie à cause de ces insectes qui viennent sans arrêt. C'est un véritable fléau que quelqu'un détruise l'entrée de leur énorme nid pour éviter une nouvelle tragédie. Ok. C'est là-bas l'énorme nid ou c'est ailleurs? C'est où l'entrée de l'énorme nid en fait? Genre c'est là où on est ou c'est ailleurs? Bon je vais laisser Louise gérer. Hein. Moi je vais voir ce qu'il y a là-haut. Comment si le jeu mais il était en méga promo? Il est pas aussi sur un Game Pass normalement? Je me trompe peut-être mais il me semble. Et si t'ouvrais le feu plutôt que ta bouche? Oh! Et c'est moi le cerveau, hein. Et toi, les muscles. Ouais, c'est un peu vrai ça. Ah!
Oh, et puis je me fais mal. Par contre, il est magnifique. Ouais, la DA est trop bien. On fera le 2 avec Kadem, donc autant commencer par les bases. Ah, d'accord. Et oui, voilà, je m'étais un peu intéressée parce que le 2 est pas que... Et multi, pardon. Putain, j'ai mal un peu. Il y a 6 pattes. C'est chiant. C'est-à-dire on est plus et moins sympathique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on est plus sur de l'arachnide, tu vois. Je pense qu'il pop en boucle, non? Côté story sentimentale, souvenir, je sais pas trop, c'est sympatoche, ça me fait un peu penser à Textoo. Dans la DA, mais bien plus chillax, moins arcade. Ok. Il manquait plus ça. On doit pouvoir faire le tour. Allez, viens. Ah oui. Mais... Oh, j'espère que j'avais bien tout looté. Mais... Oh, j'ai les mains froides. Oh, mais quoi? Mais... Bah, j'ai un souci, en fait, s'il pop en boucle. Alors, je trouve le nid, mais j'ai du mal à trouver, parce qu'il pop en boucle. Vous comprenez un peu? Monnaie. Alors, c'est ça, le nid? C'est ça? C'est tout, en fait. Ah, oh. Ok, I got it. Ok. Ok. Ah, il kick dans le moustique. Oh, oh, j'ai tout raté, hein. J'essaye. Si je prenais mon arbalète, je serais un peu mieux pour le côté distance. Surtout que je joue super bien à l'arbalète, moi, en plus. Voilà, c'est génial. Allez, c'était sympa. Ah! Oh, le bruit de léopard là? Enfin, pas du tout. Oh, si, un peu en fait. Là. En fait, c'est... Si je dois à la fois tirer sur les bestioles et à la fois tirer sur le nid, ça va commencer à être compliqué. Louise, il va falloir que tu m'aides. Merde. J'en vois un, je le vois, je t'avais vu, mais je veux pas gaspiller de balles. Mon gilet. Comment ça? Il est mort ton gilet? Ah, ça c'est pas cool ça. Ah oui. J'ai moins de trucs à loot, mais on verra ça après. Je lâche l'autre. Ma main est très froide. C'en est un là? Non. Ok, j'en ai pas vu un. Ah, j'en ai raté un. C'est sûrement au tout début en plus. Zut.
Il est là. Non mais, dégage. Mais... Pablo Cipo ça. Mais j'ai tué le nid là. Non. Du coup ils vont plus repop, si. Oh, je pense que normalement non. Mais peut-être que un peu si en fait. Makine va avoir du taf avec mon dos. En fait, la plus grosse douleur, c'est au niveau de la face. La face du dos? Le torse? La fesse! La fesse! Un herpe qui passe. C'est inflammant. Sa douille assis debout, couché, rien ne change, c'est ouf. Oui. D'accord. Bon courage. Une save auto. Ah, faut peut-être que je me mette en dessous. Et genre... Non, ça marche pas, hein. Non, ça marche pas. Non, je crois pas. Mais qu'est-ce que... Bah non, regardez, tout... Ça brille encore, hein. C'est mort, hein. Je pense. Ouais. Ok. Hop. Mais est-ce que je peux avoir le dernier truc d'ici? Je pense pas. Du coup, je me tire. Bisous, Louis. Amuse-toi bien. Moi, je vais faire la mission. Ah mince, j'aurais dû quand même essayer de looter. Tant pis. Allez, viens. Je peux pas la recharger. Mais s'il y a une sauvegarde en fait, ça recharge tout seul. Non, mais il y en a pas eu quoi. On ferait. Ah merde, qu'est-ce que je fous là? Oh, t'es très sauce là, moi. Fatigant. Pas compliqué. Oh, j'ai plus de balles de ça, ça me saoule. Cherche-toi deux. Ah, là ça fait... Voilà, ni d'insectes complétés. Ça me l'a pas fait tout à l'heure, on est d'accord? Voilà, il fallait que j'allais prendre un peu, mais bon. Mais du coup, en vrai... Merde, mon gilet. En vrai, ça m'aide pas tout à fait, dans le sens où... C'est juste bien... pour la mission. Mais ça va pas... ça va pas arrêter leur pop, je pense. Y'en a un là. Mais ici, j'ai tout looté, donc on s'en fout. Heureusement, j'ai plein de balles. Non, mais là, bah, tu lootes, mais je pourrais sûrement plus le récupérer, c'est dommage. Mais c'est qu'en fait, j'avais pas fait gaffe où j'étais. Je pensais que la save m'avait foutu à un autre endroit et pas du tout.
je l'ai raté. Un loot sympa. Ah, c'est d'où on vient. Ouais. Et du coup, bah c'est bon, j'ai fait la mission quoi. Donc je me tire en fait. Je pense que c'est tout simplement ça. Donc on va se tirer. Bon, c'est un peu looteux, ouais, mais bon. Oh! Oh! Hey, salut, poteau! Bah, dis donc! Oh, est-ce que je vois que tu t'es chargé d'une roquette? Oui! Beau travail! Ouh! Un travail bien fait mérite une récompense à la haute. Ok! J'ai la main sur quelques rares. Et si on faisait ça? Ticket d'amélioration spéciale! J'ai économisé exprès! On adore nos ex. On va l'utiliser, let's go! Guérir un homme! Alors? De quelle arme vas-tu repousser les limites? Appelle-nous quand tu voudras en améliorer une. Le Red 9. T'as un ticket, je me trompe. Bien. Choisis une arme étrangère et je la ferai fort. Oh, oh, t'as fait un très bon choix. Le peupon, ça aurait pu être bien aussi, sauf que j'ai jamais de balles. Le Red 9, au moins j'en ai. Okidoki, ça c'est cool. On va réparer évidemment, pas le choix. Je te souhaite bonne chance. C'est du bon travail. Voilà. Je voulais voir ça. Ah ça je peux grave le sortir. Alors attendez, je peux avoir des bonus, mais je crois que c'est mieux que j'ai... C'était où déjà? Shift je crois. Oui. Là, je peux en mettre que deux. C'est bien d'être un duo de même couleur plus que deux couleurs différentes. Ça me fait 1,2. Et c'est tout en fait. Ok. Bah je vais en mettre deux bleus. Lesquels coûtent le plus cher? Ouais mais celle-là... Non ça je vais garder. Ça je peux vendre, ça je peux toujours pas parce qu'il me faut deux... Enfin je peux en fait, mais je vais au petit quoi. Dans le vendre quand ça coûtera le plus cher. Toi, mais ça je vends. Trésor ou merci. Là j'en ai 10, je peux en vendre quelques-uns s'il faut. Qu'est-ce qu'il me faudrait là tout de suite comme amélioration? J'ai 50 000, c'est pas mal. Je peux augmenter la puissance de plusieurs de mes armes, ça c'est à fond. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. 15 000 quand même, pour le rendre plus puissant. Et déjà pas mal, mais en soi, bah, plus on rend puissant, mieux c'est. Ou je peux faire le fusil d'assaut où j'ai jamais de balles. Ou l'arbalète où je rate tout. C'est cornélien. Ah, il y avait une échelle pour remonter? Ah, j'irai voir alors Sam. Ah, je vais peut-être aller voir maintenant en fait. Parce que si je peux remonter et chercher 2-3 paf. Et ben, on peut se mettre Gucci. En moins. Attendez, on va essayer d'y retourner. Alors, tu m'as dit qu'il y avait une échelle, je vais aller voir. Ah, mais. Ici. Parce que nous en fait on a sauté hein. Nous on a sauté. Mais je regarde si je vois une échelle. Pour récupérer les trucs qui brillent là-bas. Attends. Ici là y'a quoi? Ah non. Je me suis dit tiens y a peut-être un truc ici.
on va faire. Donc là c'est où j'ai exploré, où j'ai trouvé le loot. Là aussi, là il y avait un monstre et il y avait du loot. Là aussi. Là, j'ai looté aussi. Là, il y avait des monstres. Ah, là. J'étais pas retourné par ici. Oh, on trouve des passettes d'ordre. Là, je peux descendre, ok. Et ça me permettra pas de remonter, hein. J'ai pas vu d'échelle, hein. On voit une échelle dans ton dos. Ok. Ah ok ok. Bah, je vais voir, je vais voir. Hop. Ah celle-là. Oui mais après je pourrais remonter ? J'ai persuadé que vu que ça s'était cassé, ça, ce serait considéré comme trop haut. Mais je crois que c'est pas trop haut en fait. Merci pour l'info, comme ça, récupère un saphir et des pesetas. Est-ce qu'on a d'autres trucs ? J'ai pas l'impression. J'ai pas envie de gaspiller mes balles là-dessus parce qu'en soi. En soi, bah, ça peut être un moyen de ferme hein, en vrai. Mais ouais, les récompenses seront trop faiblardes. Je pense, par rapport à l'usure de mon couteau, par rapport aux balles dépensées. Bon, je peux les faire en une balle parfois. Mais c'est que quand ils font dodo. Sinon, c'est au moins 2 balles. Bien visé dans la tête. Quoique maintenant, c'est peut-être qu'une, je sais pas. Mais bon, malgré tout, ça reste un peu cher, je pense. Pour essayer de les farm. Mais bon, on a récupéré quelques pesetas. On va retourner près du marchand pour save. Mais est-ce que... je regarde la map un peu. Encore. Est-ce qu'on le retrouvera facilement? Ou est-ce que j'essaye de vendre tout ce que je peux maintenant pour faire une bonne amélioration pour une de mes armes? Je sais pas. Là j'avoue je sais pas. Mais j'avais pas vu ça, dis donc. Au bout du tout. Au bout du tout. Parce qu'il me faut quand même plus de. Plus de 10 000, quoi. Tu m'as bienvenu. J'ai quelque chose de nouveau. Il a des nouveaux articles, par contre, c'est que j'ai pas regardé. Est-ce que ce sera tout ? On va regarder. J'ai toujours le lance-roquette que je prends pas. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Extension mallette, oui, c'est bien aussi. Extension, c'est bien. Nouvelle arme, mais je pense que je vais rester au R9 en vrai. Oui. Si je le vends, il coûte une blinde. Hein. Vu qu'il est full amélio. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Mais au pistolet, non. Non, parce qu'en fait, moi j'ai un truc qui est vachement puissant. Et j'ai aussi un magnum. Celui-là, c'est un compact, mais en soi. Ma marchandise est en parfait état. Je te le prends. Oh, il est bien. Spec d'origine. Bon là maintenant je suis en 2,70. J'avoue que moi je favorise que la puissance pour mettre moins de balles quoi, hein, tout simplement. C'est ma meilleure façon d'économiser des balles, c'est d'avoir un flingue puissant. Mais celui-là, du coup, il a moins de recul, il aura sûrement, il a une meilleure précision et tout, quoi. Putain, mais je viens d'améliorer mon autre flingue. Ça me saoule. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Qu'est-ce qu'on fout? C'est vrai qu'en soi, la puissance, elle est à peine plus basse dans les specs d'origine et tout le reste est worse de fou quoi. La passe au va vous améliorer.
peut-être, mais je suis pas sûre. Il est quelle heure là? 1h17, 1h23 peut-être. Je vais refaire une autre sauvegarde là, si je me rends compte que voilà, je... Hop. Ici du coup... Hop. J'avoue, j'ai peut-être chargé finalement. Là je viens de sauvegarder, du coup si malheureusement c'est pas terrible, bah je passerai à l'autre sauvegarde parce que j'ai looté 2-3 conneries entre temps. Pas énormément, pas grand chose donc bon. Bienvenue, j'ai quelque chose de nouveau pour toi l'ami. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, oui. Y a-t-il quelque chose de plus beau? La prochaine fois, achète quelque chose. C'est sans doute trop tard déjà. Ouais, je crois. Hein. Après, si je revends, j'ai mon améo qui est remboursé. Normalement. J'ai tout qui est remboursé. Donc en soi, au pire, je pourrais dépenser les 10 000 boules. Salut, Amy. Comment ça va? Oh oui, non mais d'accord. Bah écoutez, je vais recharger celle que je viens de faire. Là, je vais recharger la sauvegarde que je viens de faire. Et au pire, je vends. Et on change. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Au pire, je vends. Si, on change d'arme, quoi. Bienvenue. Parce que... Si je le vends, il coûte une blinde parce que ça, l'amélioration que j'ai achetée pour des tickets, c'est 100 000 balles. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Donc là, si je le vends... Donc je viens de sauvegarder, je t'entends. On va tester de toute façon. Là, je peux le vendre. Merci. Et je peux du coup acheter le nouveau, le Black Tail. C'était bien celui-là. Oh, il y a le Striker aussi. Ce que tu vois là, c'est quoi ce ça? Semi-auto? La dispersion élevée. Pff, j'aime pas ça. J'aime pas les autos et les semi-autos de toute façon. Là, je prends le Black Tail et on fait full amélio voilà de dégâts. Au pire, t'as sauvé, oui, c'est pour ça. On va tester viteuf avec... En plus, dehors, on a de quoi tester. Pas la meilleure. Comment ça, pas la meilleure? C'est bien ça, hein. Bref, Arnalou, t'en es où? Oh, il y a le Maltinda qu'on pourra choper. On adore nos herbes, ça, oui. Guérir un homme... Oui, c'était à 1,40. Elles peuvent tout faire. C'est ça, hein. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Red 9 était à 1,50 de base. À ton argent ou à la vie? Et le Black Tail est à 1,40 de base, mais avec tout le reste qui est vachement mieux, donc on va faire ça. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Ah, faut effectuer toutes les améliorations pour débloquer ça. Oh, par contre, ouais, non, je suis dégoûté. Hein. Pour mon ticket, je suis quand même deg. Hein. Et à toutes les améliorations, ça va me coûter une blinde. Hein. Si tu veux avoir une chance, on commence à bien cerner tes goûts, étranger. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Je voulais voir jusqu'à où ça allait monter. J'ai peut-être pas tout amélioré comme ça, parce que c'est pas très malin. J'ai peut-être rechargé, mais du coup... Y'a pas de save auto juste avant d'arriver au marchand? Bah non, tu vois bien, hein. L'impact, on le sent bien. Chapitre 5 est déjà 40 saves. Normal! Totalement normal. Enfin, pour moi en tout cas. C'est relou le coup du ticket. Comme ça, hein. Franchement, tant pis. Hein. Mais je vais peut-être charger pour... vu que je voulais voir si j'avais assez de tout pour faire toutes les améliorations. Je m'en doutais que non, mais je voulais vérifier. On était à celle-là, je vais recharger celle-là. Je vais faire cet échange quand même, je pense, parce que bah j'y gagne trop. En plus, j'aurai plus de portée avec celui-là. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça fait chier quand même, mais bon. Ou alors, je l'achète tel quel celui-là. Je garde le T9 pour le moment, oh, le R9. Ça, t'en auras pour ton argent. Je te le garantis.
Pas ouf le changement. Tu trouves ? Est-ce que je passe à 2,40 là avec mon R9 ? Est-ce que ce sera plus... Comment je fais déjà ? Non. Je peux revenir plus en arrière ? Ouais, mais là c'est très loin. Je reviens genre une demi-heure en arrière. J'ai pas envie. Franchement, tant pis, j'assume mes conneries, c'est pas grave. J'ai fait un peu une erreur parce que j'ai pas regardé ce qu'il avait à vendre. C'est de ma faute en fait, hein. Complètement de ma faute. Je reviendrai pas des heures en arrière. Zut, hein. Non, mais je sais pas comment. Comment voir. Confirmer, déplacer, très automatique. Examiner. Là, je fais 2,70 en étant full amélioré. L'autre, je faisais 2,40. Ouais, je sais pas. Un con d'avoir deux quasi identiques. Bah, ça sert à avoir une qui est full améliorée en attendant de pouvoir full améliorer l'autre. Ouais. Ouais, j'ai pas sauvé au bon moment, ouais. Écoutez, on garde le R9 pour le moment et puis tant pis. Un mini crasheur. Un crasheur. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Je vais juste perdre de la place en achetant maintenant. Ben non, non, parce que je peux le mettre dans mon coffre. Je peux le mettre dans mon coffre. C'est que mon coffre, lui, reste assez accessible à chaque fois que j'ai une sauvegarde. Là où le vendeur, non. Donc si j'ai besoin, je sais pas. Ah, tant pis, on reste au R9 pour le moment. Alors j'ai fait une erreur. C'est my bad. J'ai pas assez pour lui. Compliqué. C'est compliqué. J'essaie d'y faire attention, d'accord. Je peux peut-être améliorer mon couteau, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Et voilà. Un des petits améliorations. La résistance du couteau peut-être parce qu'il s'abîme tellement vite. Ça va en vrai, hein. Je l'ai pas cassé depuis longtemps, hein. Mais c'est qu'à chaque fois que je le répare. De toute façon, je devrais le réparer. Je peux un peu le rendre un peu plus résistant. En fait, j'hésite à me prendre sinon l'extension de la mallette. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère ? Ça pourrait te sauver la vie. Mais j'ai l'impression de m'en sortir en vrai, là. C'est tellement... La thune est tellement précieuse maintenant. C'est fou. C'est fou. Parce qu'après, j'ai toujours la possibilité de vendre ça, hein, à 45 000 avec quelques rubis, voilà quoi. J'ai plein d'armes en fait. Est-ce que je ne vais pas te faire tuer, hein? Je vais vendre des armes. Hein. Ça, je garde évidemment. Ça, je vais le vendre, je pense. Hein. C'est mon petit flingue comme ça, sauf que lui a plus de portée et moins de dégâts. Mais je vais peut-être vendre. Ça, c'est un magnum, je vais le garder, mais les balles de magnum sont chiantes à obtenir, mais si j'en ai, je vais garder. Et le stingray, c'est quoi le stingray? Fusil semi-auto très répandu. Et ça aussi, c'est un semi-auto, non? Fusil d'assaut. C'est semi-auto, les fusils d'assaut? Non, je virerai le Stingray, je crois. Hein. Je virerai le Stingray et le ça, hein. Tant d'armes et si peu de balles, mais ouais, non, mais ouais. Le Stingray, je l'utiliserai pas. Ça bien dégage. Vu. Ça, j'utiliserai plus. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le Stingray non plus. Par contre, c'est nous qui le décidons.
Étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Et là, si je vends le raid 9, j'aurais peut-être assez. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Les PM ne servent plus à rien. En fait, la raison pour laquelle je le garde, c'est que les balles de mitraillette sont faciles à obtenir. Du coup, si à un moment je suis dans la tétradèche, vu que je peux pas acheter de toute façon de balles chez le vendeur, je pourrais toujours retourner à un point de sauvegarde ou à un vendeur pour au moins le prendre, prendre le TPM avec les balles. Parce que ça fait partie des balles que j'ai toujours pu crafter quasiment. Juste que l'arme, je l'aime pas. Et puis j'ai pas envie de l'améliorer, voilà. Mais au cas où, je préfère le... Je l'ai vendu une première fois et j'étais bien contente de pouvoir récupérer ces balles après. Donc je l'ai racheté. Il m'a coûté le même prix que je l'ai vendu, donc ça va. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Mais juste pour les munitions de mitraillette. C'est vrai que l'extension est chère, hein. Je vais pas l'acheter, je crois. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. J'hésite de vous. Vous feriez le changement, vous ? Désolé, hein. Désolé, je passe une heure, là, mais... Maintenant, si je vends cette arme-là, je pourrais faire le changement. Mais je perds un peu des sous au total. Mettre la lunette sur le fusil d'assaut ? Je crois pas. Ma lunette, c'est pour mon snipe. Avec une arme bien EP. Ouais, mais le but, c'est de pouvoir après tout EP l'autre. Mais j'avoue, ça... Chier quand même. On fait une save, vends donc là. Vends ton flingue et teste l'autre si t'as assez de thunes. J'aurais sûrement assez. Mais c'est que là, j'aurais l'impression de. Enfin, c'est vrai que je me dis, je pourrais beaucoup améliorer mes autres armes en attendant. Genre le pompe qui me sauve tout le temps. Ou celui-là, même si je suis pas sûre de l'utiliser souvent. Mon lance-carreau, le truc, c'est qu'il est très bien, mais moi, j'arrive pas. Je comprends rien à la visée. Pas. J'ai peur de regretter, mais en même temps, l'autre, elle a tout, quoi. Est-ce que ce sera tout ? Fais bonne route. Allez, je le vends, on va voir. On va faire ce que ça m'a dit. Voilà une arme à feu exemplaire, étranger. Pas la meilleure, certes, mais elle fera certainement un compagnon idéal. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer... Bisous, Fernalou. Et voilà. T'aurais pas assez. Comme tu l'as demandé. Ça t'épate, hein. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Attendez, je teste. Mais il faudra encore 10 000 après, je crois. Une affaire bien conclue. On a effectué toutes les améliorations standards pour cette arme. Maintenant, si tu veux... Il faudra 100 000 en fait. Non, mais je vais pas faire ça. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tant pis. Il faudra 100 000 pour l'améliorer encore plus. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Ça fait chier. Y a-t-il quelque chose de plus beau ? Ok, il est à 2,40, donc c'est quasiment au même stade que l'autre. Hein, mais vu tout ce que ça me coûte... Les stats sont pas ouf. Les stats sont ouf. Bah là, il améliore à fond, mais le truc, c'est que... Monte à combien avec l'amélioration ? Là, si je le vends maintenant, tu veux dire ? Bah là, il a 297 en tout, plus les 100 000 balles qu'il faut que je rajoute pour l'amélioration de dernière, mais il monte à... Il a combien ? Ah oui, en dégâts, mais je sais pas, en fait. Amélio spécial, c'est...
Si tu veux avoir une chance de survivre, puissance multipliée pardon par 1,5. Puissance multipliée par 1,5. Donc je pourrais pas estimer combien ça fait, faudrait calculer, ça c'est simple, ma flemme. A votre avis c'est worse ou pas? Moi je sais pas hein. Après 100 000 ça peut être faisable, rien que là j'ai un truc à vendre à 45 000. On va tester vite fait, écoutez. Achète quelque chose. Il faudrait que je teste sur les mobs. Sur le mob. Je teste les mobs. Très bonne nuit infernale, des bisous. Ça monte à 3,60. On va bien voir dans les faits. Et je pense que là j'aurais pu... je pense qu'il n'y a plus de mobs là. Non, il serait déjà apparu. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Je sauvegarde du coup là. Donc c'est à la 93 où on a l'arme. Tiens, vends-moi ce truc pour voir. Ah oh non, mais ça, bah, oui, je peux vendre après, mais moi, je veux que ça vaille le coup, quoi. Du coup, c'était celle-là, tac, je recharge d'ici. Pour voir les stats, en fait. T'as fait un screen, tu m'as dit, ça? On met sur les stats. Ah, zut. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Là, ça, c'est mes stats actuels avec lui. Une arme pour répondre. Et voilà, comme tu l'as demandé. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Eh bien, nous avons fait. Voilà les stats actuelles de celui-ci. Cette arme. Traite-la avec. Et merde, j'ai screené pile au moment où tu fermais. Oh merde. Attends. Hein, voilà, je vais regarder dans la... Je peux regarder dans la rediff, je pense. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Je fais genre, je veux faire un clip. Ça va me remettre combien de temps en arrière? Ok, ça bug. Voilà, j'ai toutes les stats. Ok. Attends, bah, je vais screener, on va comparer. L'optimisation à fond, quoi. Voilà. Allez, mais... Oh non, le drag and drop, ça marche plus. Oh, je vais péter un câble. Le drag and drop, ça marche plus sur OBS. Why? C'était très pratique. Pourquoi ça ne marche plus? J'ai screené celle-là, revient sur l'autre. Non, mais je sais. Non, mais moi, j'ai screen l'autre, en fait. Voilà, j'ai screen sur la rediff, donc je vais pas m'emmerder à recharger si ça vaut pas le coup. Voilà. Hop là, là on va comparer quand je vais mettre en capture d'écran, voilà. Ça c'est l'arme, là au-dessus c'est la dernière arme que j'ai améliorée, c'est la dernière arme qu'on a obtenue. En dessous c'est l'arme qu'on a lag tout de suite, les deux améliorées à fond. Donc la précision est folle, cadence de tir, donc en gros faut savoir si ça vaut le coup qu'on prenne cette arme là, en gros. Tu comptes rester planté là? Sachant, pardon, que cette arme-là pourrait avoir, du coup, tu me disais 3,60 ici. 3,60 ici, mais c'est pas possible. Mais c'est énorme en fait.
1,5. Ouais, d'accord. Ah mais ça c'est pas... Ah c'est pas comptabilisé, la fois 1,5. Tu gâcheras nettement moins. Alors oui, sauf que le truc c'est que là tout de suite, le 1,5 ici, on l'aura pas hein. Il faudra 100 000 balles en plus. Que j'aurais pas du tout parce que j'aurais pas cette somme là. J'aurais 1,1 quelque. Franchement moi je... Alors oui ça aurait été un bon choix si j'avais eu le ticket. Évidemment. Mais n'ayant pas le ticket, je pense que c'est quand même un peu du gaspillage. Je sais pas. Je pense que c'est un peu du gâchis. Perso. Parce que bah il y a d'autres armes que j'utilise et que ce serait peut-être plus intéressant de mettre un peu de sous dans leur amélioration plutôt que de d'essayer d'avoir les 100 000 balles pour avoir les 1,5 ici. Et de jamais améliorer d'autres armes en attendant quoi. Sachant que pour tout ça vraiment je me ruine. Je vais rester au raid 9. Si j'avais pas fait l'erreur, j'aurais pas fait, mais... Ouais, je pense que je vais passer plutôt au peupon. Mais j'ai envie de recharger, puisque j'ai eu des trucs qui m'intéressent pas. J'ai sauvegardé de... Non. Attendez, ça c'est la meilleure... Hein. Bah c'était celle-là. Ouais. Je crois. Mais oui, j'avoue que moi je mettrais bien dans mon peupon. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes ? Voilà, j'ai pas vendu mes armes. Les richesses que tu amasses. Et quoi que je voulais, c'était le Stingray que je vais pas utiliser et le SG machin, où je les vends. Compliqué, mais c'est bon, on s'en sort. Bon, finalement, c'est tout ça pour ça, ok, mais. Là, bon, par exemple, la capacité, c'est pas très grave si elle t'améliore pas, le vitesse de rechargement, je m'en sors. Moi, je vais peut-être l'améliorer un peu. Mais oui, j'aimerais bien améliorer la puissance du peupon. Au moins sa puissance. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. Ouais, c'est ça. Sans pouvoir le monter au max, c'est coûteux. Y'a pas un autre pompe à vendre ? Non, je l'avais déjà vendu. Je l'avais déjà vendu. Y'a Donc voilà, c'est le fusil anti-mine qu'on a. On a TMP que je garde pour les balles. Snipe que je garde. Fusil d'assaut. Oh, c'est celui que j'ai actuellement. Merci Infernalou, c'est gentil. Le Broken Butterfly, c'est un magnum, je le garde aussi. Mais c'est pareil, c'est parce que les balles sont chères que j'utilise pas. Sinon il est très bien, mais je préfère le garder. Et après, mais j'avais déjà vendu l'ancien pompe. Après on a les couteaux et voilà. Donc je me dis en fait si je trouve des balles de magnum, je prendrai le magnum dans mon inventaire, peut-être même à la place du pompe. Il a pas de nouveau pompe ? Il y a ça, c'est un semi-auto. J'aime pas les semi-auto. J'ai pas très envie. Alors après ça, ça a des balles, ça veut dire que ça aura des balles de... Bah non il y a écrit fusil, du coup ça aura pas des balles de mitraillette. On est d'accord hein. Parce que je me fais avoir à chaque fois il y a pas écrit quel type de balle ça utilise et ça moi ça m'emmerde. Même quand je fais comparer. Il n'y a jamais écrit quel type de balle. Un lance-gogreux ? Non, non. C'est, tu sais, les semi-auto, tu sais, mais à l'ancienne, dans les films de gangsters, où ils avaient des gros trucs là, ils avaient... Ouais, c'est ça. Après, il y a le lance-roquette. Il y a le lance-roquette, mais vu la place, ça demande des roquettes, enfin bon, voilà quoi. Je vais peut-être économiser, franchement, pour le moment, j'améliore peut-être un peu encore le peupon, mais je vais économiser, en espérant le recroiser bientôt. Le peupon, je peux peut-être améliorer sa capacité. Une arme pour répondre à tes besoins. Oui, ça c'est bien ça. Comme tu l'as demandé. Et lui, j'ai augmenté aussi sa puissance. Un couteau. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami.
Quelqu'un comme et toi voilà. Devrait tout de suite remarquer et la toi t'es réparé. Hop. J'améliore ta résistance aussi. Bien cerner tes faits, bonne voilà. Route. Je vais faire une nouvelle sauvegarde. On s'en sort. La dernière. Ici en tout cas. Et on va bouger parce que, bah, au bout d'un moment, faut vraiment jouer au jeu. Ma VOD fait bien. Fait 2 heures. 2 heures, dont 1 heure de Theorycraft pour rien en plus. Hein. Pas Theorycraft, mais enfin quasi. Bah voilà. Ah. Attendez. Attendez. Il y a encore un trésor. Désolé. Lui qui a marqué fusil, je dirais pas le fusil. Bah oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas marqué le millimètre des balles, j'en sais rien. Il n'y a aucune nation de calibre. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, moi, bêtement, naïvement, parce que j'y connais rien, je me dis, ah bah tous les flingues auto. Ou semi-auto doivent avoir le même type de munitions, tous les flingues type fusil ont le même type de munitions, et voilà. Et non, c'est pas ça. Ah mais je peux pas en fait. Ah mais si, mais là je descends là. Ah mais c'est mort. Mais attendez, mais y a un truc, ouais c'est ici. Ah bah c'est un peu mort je pense. Mais si je peux descendre là-bas, attendez. Ouais bon c'est mort, il y a un trésor que je vais pas pouvoir loot. Il était fallait peut-être le pécho quand on était dans le, je sais pas, dans le wagon. Ah bah non, je l'aurais peut-être... Oh je sais pas. Non mais tant pis, ah non. Là cette fois pour de vrai je me casse. Je remonte avec l'échelle. Non mais c'est pas en fait si je remonte j'arrive là. Ça m'intéresse pas, moi je voulais essayer d'aller là. Voir s'il y avait un chemin. Mais y'en a pas. Parce que bah, c'est en bas, enfin c'est en bas ou en haut, attendez. Ouais c'est bien bas ouais. On va y aller. On est quand même équipé, on a toujours un manque cruel de balles. Au niveau du marchand précédent. Marchand précédent ? Ouais, c'est vrai qu'on est... Ah mais t'as raison, mais en fait, y a tout un... Y a tout le château en fait en dessous. Peut-être qu'on y retournera en fait. Ouais, t'as raison. En dessous, au-dessus ? En dessous ? Non, en dessous, au-dessus ? Ça c'est en bas. Ça c'est en haut. Ah ouais d'accord. Ah ok, je pourrais avoir ce trésor là. Mais celui-là malheureusement je pense que regarde c'était avant. Tellement labyrinthique ce truc. Ouais et puis on va arrêter hein. On va bouger, on va jouer pour de vrai. Allez viens, c'est toi, on y va Louis, je te promets. Est-ce que j'ai Je vais regarder mon inventaire. Ah, cinématique. Pfiou, j'ai crevé. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je te comprends pas. Pourquoi risquer ta vie comme ça? On se connaît à peine. Je te l'ai dit. Ça m'aide à me sentir mieux. Moi. Sois franc avec moi pour une fois. Los Illuminados. J'ai travaillé pour eux. Tu vois, je le savais. Vous aider tous les deux n'efface pas le passé. Je le sais. Mais quand même, je veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Dans ce cas, arrête un peu de déconner. Oui, puis arrête de tendre ton flingue comme ça, là. T'y vas fort. On a le même. On a le même. Toi aussi, tu t'es fait avoir avec le ticket. On est sorti de cet enfer. Ah, ça commence à sentir. Por fin.
Parce que si on est arrivé jusqu'ici, ça veut dire qu'on est presque. Ouais, c'était sûr. Quoi ? Et il est en train de mourir. Louis ! Ça fait un sacré bail. Hein. Oh ! Major Krauser. Mais putain. Pourquoi ? Je viens récupérer des objets volés. Bisous hémoglobine Dark, très bonne nuit. J'en profite pour éliminer quelques rats. Un plaisir. Bon, en vrai, je le connais à peine, ce perso. Ashley, c'était vous, tu comprends vite. Qu'est-ce que je t'ai appris ? Transformer en pin. Ils sont plus rapides. Ah ouais, c'est notre majeur. Enfin, major. Pas majeur. Qui nous a appris à nous battre. Enfin, qui a appris à Léon, quoi. Pas fou comme combat. Pas très impressionnant. Ils ont un peu foiré leur combat. Ça manque un peu d'impact, en fait. De coups, de trucs. Juste, ils évitent des couteaux. Oh. On dirait un versus... Ah, je vais devoir faire un couteau. Oh, trop cool. Coup de couteau, c'est clic gauche. Merci, le jeu. Je suis pas full, par contre. Ah, je pars, là. J'appuie sur espace. Reprenez vos esprits. Mais j'ai l'esprit plus clair que jamais. Maintenant, concentre-toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre. Oh. J'ai pas essayé de me heal, mais je suis pas full, hein. J'espère que je pourrais me heal. Ton major qui t'a trahi depuis le début. Ouais, 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 bah. Après, il a l'air complètement. Je crois qu'il est complètement infecté lui aussi. Il est peut-être bien manipulé. On va manger notre poisson. Ça a rien à voir avec elle. Ah, j'ai fait. Je sais pas s'il faut que je pars en avance ou pile au moment. Oh, vu les animations, faut que je fasse en avance. Joli. Ah, quand tu fous, tu fous, tu fous, tu fous, tu fous. Pourquoi vous travaillez sur ces tarés? Pourquoi? Est-ce que t'as oublié ce qui s'est passé il y a deux ans? C'est passé il y a deux ans. Ah! C'est pas facile que tu t'es au clavier! Toute mon unité anéantie. Notre gouvernement a laissé faire. J'ai un bouton pour me tourner vite, mais faut que je cherche. Je sais plus lequel c'est. C'est W? Non, pas du tout. R? Non. T? Non. F? Non. G? Non. V? Non. V? Ça fait ça? Je peux vraiment pas équiper ça, hein. Ah non, apparemment. Je peux comprendre. Ce qui s'est passé était impardonnable. Mais c'est pas une raison pour vous en prendre à des innocents. Ah ! Tu t'accroches encore au mythe du bien et du mal. T'as donc rien appris ces deux dernières années. Merde. Vous mettez pas vraiment toi. Oh, dis donc. Non. Oh, il est pas encore mort. Oh, Louis. Assez joué, le bleu. T'as vraiment pas changé d'un poil. Quelle déception. Ah.
En gros, il veut se venger parce que son unité a été anéantie il y a 2 ans. Et ça c'est tout. Ça présente mal pour moi, hein, amigo. Et quelle perte. En fait, t'aurais carrément dû améliorer ton couteau. Ouais, bah tant pis. Hein. Parle pas. Parle pas, c'est gênant. C'est la clé de mon laboratoire. Vas-y. Et élimine ces putains de parasites. Sauf. Ashley. Oh, le bro. Il était tellement plus utile qu'Ashley. Avec des répliques souvent moins chiantes que Léon. J'ai fait des conneries dans ma vie. Mais maintenant... Qu'est-ce que t'en dis, hein, Léon? Les gens peuvent changer, non? Pardon, excusez-moi, c'est tellement que les jetons. Oh là là... Bonne nuit, ma poignée. Il dit bonne nuit le chat, tout ça. Un look de merde, mais tout le reste est tellement super. Ouais, j'avoue que son look. Alors, je comprends le style, hein, mais je suis pas. Je le trouve dégueu aussi. Bisous, VOD. C'était le chapitre 7. 11. Pas loin, hein. Bisous.